français s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir, bienvenue à En français s'il vous plaît. Ce soir nous allons parler francophonie. Nous sommes en plein mois de mars, le mois de la francophonie. David Bongard, chef de l'antenne régionale de l'Organisation internationale de la francophonie, est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir. Et également Nicolas Don. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous. Nous sommes donc, David Bongard, en plein mois de la francophonie. C'est un mois riche ou moins riche à Bucarest cette année? Bah écoutez, le mois de la francophonie est un mois toujours riche, hein, quels que soient les événements. C'est un mois riche tout simplement parce que c'est une des fêtes les plus fêtées en Roumanie, après la fête nationale, je ne sais pas si vous le saviez. C'est dans toutes les écoles, dans les lycées, dans les collèges, bon nombre de professeurs mettent la francophonie à l'honneur. Donc c'est un mois particulièrement riche en termes de, on va dire, de représentation de cette organisation et de ce que ça représente auprès des jeunes, et notamment des jeunes écoliers. Maintenant, en termes de programmation, tout dépend du point de vue sur lequel on se pose. Ici à Bucarest, bien entendu, par rapport à l'année passée, qui est année jubilaire, vu qu'on fêtait notre 20e anniversaire, on a peut-être un peu l'impression qu'il y a peut-être moins d'activités d'extériorisation, moins d'événements publics, mais néanmoins, le programme reste très riche. Alors, voilà donc. Comment se porte la francophonie en ce moment, en Roumanie très précisément? Alors tout dépend de comment vous définissez le mot francophonie. Si bah, aidez-nous, c'est la progression du français, la culture francophone, de la langue, de tout. Est-ce qu'on est plus francophone qu'avant? Voilà, alors ça. La francophonie, tout d'abord, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement la langue française, c'est aussi des valeurs. Donc nous défendons un certain nombre de valeurs, que sont les droits de l'homme, la démocratie, la paix, la diversité linguistique, la diversité culturelle, la diversité au sens large. Donc pour nous, ce sont autant d'éléments importants que la langue française. Alors maintenant, si vous voulez parler de la francophonie en termes uniquement linguistiques, la francophonie en Roumanie se porte, je dirais, de manière stable. Les derniers chiffres que j'ai eus en main indiquaient un léger recul, mais tout à fait vraiment insignifiant, ici en Roumanie, mais par contre, dans d'autres espaces, un dynamisme croissant, notamment en ce qui concerne la République d'Arménie et l'Albanie. D'autre part, concernant toujours la francophonie en Roumanie, parce que nous sommes à Bucarest, j'ai eu l'occasion de recevoir un lecteur de français dans l'émission de la semaine dernière qui l'a dit à l'antenne que le français, la langue française était en train d'être supplantée par l'espagnol dans les lycées. C'est une bonne nouvelle pour l'espagnol, une moins bonne nouvelle pour le français peut-être. Et est-ce que vous confirmez ce diagnostic? Non, je ne confirme pas ce diagnostic du tout. Je ne crois pas du tout que l'espagnol soit actuellement à la même place que le français. Il y a bien entendu un collège ici, bilingue, le collège Cervantes, mais il n'a pas du tout la même représentation que la langue française. J'en veux pour preuve, tout simplement, il y a la Fondation Sigma, que probablement vous connaissez, qui organise régulièrement un grand concours national, qui est le Kangourou Linguiste. J'ai rencontré récemment encore son directeur, qui disait que c'était vraiment pas du tout une langue, on va dire, qui est apprise, bien entendu, une langue importante, mais qui n'a pas autant pignon sur rue que le français ici en Roumanie, et le nombre de personnes qui participent à ce concours-là, si on en veut ça comme un élément, on va dire, d'appréciation de la langue en Roumanie, ce n'est pas le cas. David Bongard, vous êtes chef de l'antenne de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez parlé de 2013 comme une année où on a célébré les 20 ans de l'adhésion de la Roumanie à l'espace francophone. Mais en fait, cette année, on a une autre célébration, si je ne me trompe pas. Cela fait 10 ans que votre antenne est basée à Bucarest. Vous avez ouvert en 2004. Ça fait en fait 9 ans. Nous sommes là depuis 2004, mais nous avons signé notre accord de siège en 2005. Donc officiellement, nous sommes là, on va dire, seulement depuis 2005, c'est-à-dire qu'on fêtera notre 10e anniversaire l'année prochaine. Et l'année prochaine, on a l'espoir de pouvoir faire une grande fête, et notamment dans nos nouveaux locaux qu'on va prendre possession très bientôt. Alors un bilan pour vous après ces 9-10 ans? De francophonie en Europe centrale orientale. De roumano-roumaine, soyons un peu. De la présence de l'OIF dans cette région en tant qu'antenne. Alors, tout d'abord, je suis extrêmement content que l'OIF a pu accompagner la Roumanie pour accueillir un sommet. C'était l'idée au départ de mettre en place une petite structure qui puisse accompagner les autorités roumaines pour le sommet de 2006 de la francophonie, qui a accueilli une quarantaine de chefs
chefs d'État et de gouvernement, et ça a été son rôle principal. Par la suite, nous sommes interrogés sur la pertinence du maintien de cette structure-là. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné, quelqu'un a évoqué la possibilité d'une fermeture ? Oui, parce que nous n'avions pas tout à fait la même vision qu'aujourd'hui en matière stratégique et en matière de représentation, on va dire, régionale. Aujourd'hui, nous avons adopté une politique de régionalisation et d'où l'importance pour nous que revêtait l'accompagnement du gouvernement roumain pour avoir de nouveaux locaux, parce que nous pensons que d'être plus proche de nos publics est la nouvelle manière d'être, à l'image d'ailleurs ce que fait l'Agence universitaire de la francophonie pour l'avenir. Donc pour nous, nous allons déconcentrer nos activités qui se trouvent actuellement essentiellement à Paris, dans les régions. Donc nous sommes dans un processus qui va durer un certain temps, de moyen long terme. Nous allons donc effectuer un audit de l'ensemble de nos structures et unités hors siège pour pouvoir voir comment les renforcer en tout terme, en matière de ressources humaines, en matière matérielle, en matière financière, pour pouvoir mieux accueillir les programmes qui sont actuellement gérés au niveau central à Paris pour qu'ils puissent se déployer depuis les régions. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Avec David Bongard, chef de l'antenne régionale de l'Organisation internationale de la francophonie, et une question de Nicolas Don. J'aimerais savoir comment vous voyez les années qui viennent, peut-être pas les 10 prochaines années, mais est-ce qu'on en sera là encore ? On va se développer ? On va maintenir ce régionalisme dont vous nous faites part ce soir ? Ou est-ce que, pourquoi pas, parce qu'on l'a évoqué à l'instant, la francophonie peut se retirer sur la pointe des pieds et aller voir ailleurs ? Non, je crois que les signes qui ont été émis l'année passée notamment sont positifs. Et donc maintenant, nous sommes en train de récolter les fruits des différentes années de travail que nous avons effectuées tant ici en Roumanie qu'en Bulgarie à Sofia, vu que nous disposons également d'une structure qui est rattachée à notre antenne régionale ici. Donc au contraire, je pense que à moyen et long terme, on va renforcer notre présence régionale avec plus de moyens, plus d'efficacité, je l'espère, mais en tout cas plus de visibilité, c'est certain. Vous avez dit qu'il y a une stabilité de la francophonie en Roumanie. En revanche, il y a une croissance assez forte dans d'autres pays. Pouvez-vous nous donner quelques exemples et quelques arguments aussi, quelques explications aussi ? Alors, je vous ai parlé de deux pays où la langue française a croissance positive, notamment dans la région que sont l'Albanie et l'Arménie. Et la République de Moldavie, par contre, il y a un décroissement de l'intérêt de la langue française que nous tentons actuellement à expliquer les facteurs. Donc nous sommes à l'écoute des différents partenaires et puis pour avoir une vision plus exacte de ce qui se passe, parce que toutes les informations que nous glanons ici et là vont servir pour à nouveau réécrire, reformuler notre rapport de l'Observatoire de la langue française. Donc pour nous, c'est particulièrement important que de collecter ces informations-là et de les vérifier auprès de différentes sources pour pouvoir avoir un état des lieux de la situation de la langue française dans la région. Alors, pour prendre un exemple où la langue française a un essor particulièrement important, notamment l'Arménie, ça s'explique essentiellement par les excellentes relations que l'Arménie a avec la France notamment, mais également par la diaspora arménienne qui est très attentive et très à l'écoute de la francophonie. Donc, le fort de cette diaspora, notamment dans les pays francophones, que ce soit au Canada, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, l'Arménie a décidé, il y a 2 ans, de rejoindre notre organisation de manière pleine et entière, à l'occasion du dernier sommet de la francophonie à Kinshasa, et aujourd'hui a décidé que d'appliquer ce que nous appelons un plan linguistique dans différents domaines, que ce soit dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'administration, et nous accompagnons les autorités arméniennes pour un déploiement de ce plan et pour renforcer l'usage du français dans toutes les sphères de la vie publique en Arménie. En fait, en revanche, vous avez dit qu'il y a une décroissance en Moldavie. Est-ce que vous avez, en République de Moldova, est-ce que vous avez quand même quelques explications pourquoi ? C'est un pays qui était très francophone jusqu'à il y a encore quelques années. C'est sûr, il y a aussi un dépeuplement. Voilà, merci Nicolas Don. Je crois que il y a plusieurs raisons. Mais maintenant, ce serait peut-être un peu de m'avancer, mais si je peux me permettre une hypothèse, je pense que la crise économique a également son rôle. Comme vous le savez, jusqu'à récemment encore, le Québec était en
avait les frontières extrêmement ouvertes sur les populations désireuses d'immigrer sur son territoire. Et beaucoup de citoyens moldaves avaient cette possibilité que de pouvoir s'expatrier. La crise touchant un peu tout le monde, il est vrai que les vannes de l'immigration ici et là ont été quelque peu, on va dire, recalibrées. Et je pense que ça a probablement pu avoir un effet sur l'apprentissage du français, sachant que la langue française est un élément indispensable pour pouvoir accéder au Québec. Mais je vous entendais tout à l'heure sur l'Arménie et sur les excellents rapports que vous avez mentionnés avec le gouvernement de Yerevan. Est-ce que la volonté politique est primordiale ? Et si c'est le cas, comment se porte-t-elle cette volonté politique ici à Bucarest ? Alors je crois que l'un et l'autre ne font vont de pair. Mais je suis, il est vrai, je pense qu'il faut une véritable volonté populaire. La société civile roumaine francophone doit marquer son intérêt de francophonie, j'allais dire. Et alors, c'est le cas ? C'est le cas, mais c'est encore un peu, on va dire, de manière un peu léthargique. Il y a ici et là des demandes, mais ces demandes-là, de mon point de vue, sont mal orientées. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à aller vers les partenaires francophones. Or, elles devraient aller vers les structures, les autorités roumaines, pour dire simplement que la société roumaine souhaite de la francophonie au sens large, au sens que j'ai mentionné au préalable, pour pouvoir faire en sorte que cette demande de francophonie puisse être entendue par les autorités roumaines à tout niveau que ce soit, pour qu'elles puissent y répondre. Mais concrètement, quoi faites-vous référence ? Je fais référence à des espaces de rencontres, à une programmation culturelle. Je fais référence à des possibilités que d'avoir des bourses pour pouvoir étudier. Je fais référence à la possibilité par les universités roumaines d'avoir des échanges, la possibilité par les différents fonctionnaires roumains de pouvoir faire des échanges dans des académies de police, diplomatiques et autres. Donc il faut vraiment que la société civile, mais qui est un peu à l'image de ce qu'elle est en général, c'est pas la société civile proprement francophone, mais je crois qu'elle est à l'image de ce qu'est la société civile roumaine dans tous les domaines. Donc elle est peut-être un peu léthargique et manque d'esprit d'initiative. Pardonnez-moi de revenir aux politiques, mais est-ce que vous sentez cette volonté-là chez les politiques, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, Alors, récemment, le politique a accordé une attention importante à notre organisation, notamment en fêtant dignement le 20e anniversaire de son adhésion à l'OIF. Le fait d'avoir œuvré dans ce sens-là a été mentionné dans tous les forats internationaux dans lesquels la Roumanie a pris part. Donc la francophonie roumaine a été mise en avant par le gouvernement roumain dans les différentes prises de position dans lesquelles ça faisait sens. Donc oui, il y a une prise de position roumaine au niveau de l'État, en tout cas au niveau du ministère des Affaires étrangères. Alors bien entendu, on ne peut pas juger l'effort ou le politique d'un gouvernement par rapport à une posture d'un ministère. Mais je crois qu'il y a une véritable volonté. Il y a aussi, à la fin de cette semaine, il y aura à Bucarest des représentants des États membres des parlements francophones en Europe, en rendez-vous à Bucarest et puis en Bucovine. À quoi doit-on s'attendre ? Tout d'abord, je pense que c'est excellent pour la section roumaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui peut recevoir ses pairs. Sachez que l'année passée, cette rencontre a eu lieu à Chișinău. Donc aujourd'hui, elle a lieu ici en Roumanie. Donc deux pays états phares de la francophonie de la région. Donc c'est plutôt de bon augure. Et je crois que ça va aussi faciliter la compréhension des réalités diverses que la Roumanie souhaite montrer auprès de parlementaires, auprès de décideurs, des gens qui sont dans les enceintes législatives pour, à quelque part, faire une opération de communication, de charme, et qui permettra d'avoir peut-être une meilleure compréhension des réalités roumaines dans les parlements des pays d'où sont ressortissants ces parlementaires. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec David Bongard, chef de l'antenne de l'Organisation Internationale de la Francophonie, antenne régionale. Nicolas Don. Moi j'aimerais qu'on parle un peu image, même si on est à la radio, vous arrivez en fin de mission. Si vous deviez retenir des images, choc de ce qu'a été votre travail et votre dialogue avec la Roumanie et les Roumains, sur tout ce mandat, vous retiendrez quoi ?
retiendriez quoi? Ouh là là, moi aussi j'ai du mal. Cela fait quand même près de 6 ans que vous êtes en Roumanie. Voilà, 5 ans à les poussières, oui. Bon, alors tout dépend. Bon, je des flashs, si vous voulez. Alors, un premier flash, c'est l'évolution de Bucarest. Alors, bien entendu, Bucarest n'est pas l'image du pays, mais une ville très dynamique qui a été revue, recorrigée, qui est en train de s'embellir. Donc ça, c'est indéniable. Bucarest a considérablement évolué pendant ces 5 dernières années. Et je crois dans le bon sens. Si j'entends bien, je vous vois. Donc bon. Dans le bon sens. Et un élément qui est extrêmement positif aussi, et je crois que à ce niveau-là, c'est peut-être pas assez connu en dehors des frontières de la Roumanie, c'est le degré de sécurité qui prévaut ici à Bucarest, mais dans tout le pays. C'est-à-dire que nous n'avons aucune crainte d'être malmenés dans les rues de Bucarest, même tard la nuit. Donc je crois que ça, c'est vraiment un élément important. C'est une chose que tous les expatriés que je connais, pas seulement francophones, mentionnent en premier avec ravissement, je dois dire. Et ça, c'est vrai, vous avez raison, on ne le dit pas assez. Voilà, donc ça c'était le premier flash, Bucarest qui s'est embellie pendant les 5 ans où vous étiez ici. Et qui est une ville tranquille. Voilà, et qui est une ville tranquille. Sûr, je dirais, flash. Plutôt sûr, sûr plutôt sûr. Que tranquille. Voilà. Non, tranquille, parce que ça s'agite bien dans le bon sens du terme. Ça s'agite bien dans le... Voilà. Ville sûre. D'autres flashs, donc je dirais au niveau du regard que les Roumains posent par rapport à leur environnement. En leur environnement, j'entends naturel. Il y a un questionnement. Vous avez vu ce qui se passe récemment dans le nord de la Roumanie par rapport à l'exploitation d'un certain type de ressources. Je crois qu'il y a un réveil. On parle de gaz de schiste, hein, pour être très clair. Il y a un réveil Je peux le dire, vous avez plus de mal, mais mon rôle est de le préciser. Il y a une conscience plus importante, je crois, que de la société roumaine civile en matière d'environnement qu'elle a eu par le passé. Alors, peut-être que certains projets, ont permis de réveiller cette conscience, et je crois que c'est plutôt de bon augure pour la société civile de Roumanie. Donc, un regard différencié par rapport à ce que j'ai pu connaître au départ, lorsque je suis arrivé ici. Un peu l'impression que toute personne qui avait un regard, on va dire, intéressé ou un peu plus professionnel sur la nature, sur l'écologie, et généralement était regardée avec un regard un peu condescendant ou un peu passéiste. Donc je crois que c'était ce regard-là a changé. Je crois que c'est une bonne chose. D'autres flashs ? Que j'ai une autre question sinon. d'autres flashs. Bon, pour l'instant, on y va comme ça. Je vais vous aider alors. Ou alors peut-être je vais vous piéger, mais c'est pas intentionnel du tout. Vous allez partir dans très peu de temps pour un autre coin, là, je sais pas si on peut le dire, pour ailleurs sur cette planète, où vous continuez votre mission. Si vous deviez emporter, ou si vous allez peut-être emporter quelque chose d'ici, de concret, de matériel, ça serait quoi? De concret ou de matériel, ou des idées, quelque chose de palpable. Vous partez avec quoi dans votre bagage personnel, voilà. Je partirai avec des notes de musique. Tout simplement parce que j'ai appris aussi ici à apprécier un patrimoine musical qui m'avait échappé lorsque j'œuvrais dans d'autres terrains. Et quel genre de musique? La musique classique essentiellement. J'ai beaucoup fréquenté les concerts, que ce soit à l'Athénéum, soit dans les différents festivals, soit de jazz, soit même dans un genre un peu plus lyrique à l'opéra. Et je crois que c'est essentiellement ces images-là que je vais emporter avec moi. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Avec David Bongard, chef de l'antenne régionale de l'Organisation internationale de la francophonie. David Bongard, la francophonie, l'OIF est aussi en train de changer. Il y aura un changement important à la fin de cette année. Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF, passera la main à quelqu'un d'autre après... plus de 10 ans passés à la tête de cette organisation. Est-ce qu'il y aura un gros changement pour l'OIF? Alors, il est vrai que depuis l'arrivée du secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, la francophonie a eu un essor et une importance politique accrue sur la scène internationale. Et je crois que M. Diouf peut s'enorgueillir justement de la position que notre organisation a pris dans bien des secteurs, notamment en matière de médiation, mais également en matière d'appui aux États plus faibles, en matière de démocratie ou de droits de l'homme. Donc, oui.
il y aura une césure. C'est incontestable lorsque M. Diouf s'en ira. À regret d'ailleurs, je pense que beaucoup de monde vont le regretter. Maintenant, je suis sûr que le prochain secrétaire général saura également voir l'ampleur de la tâche qu'il y a, également les défis à relever, et qu'il saura se doter d'une équipe efficace et efficiente pour pouvoir les relever. Vous évoquiez à demi-mot ce rôle politique de l'organisation qui n'était peut-être pas conçu comme tel par ses fondateurs. Et est-ce que vous prévoyez à l'avenir, avec un nouveau mandat, donc un nouveau président, l'accroissement de cette implication politique active, dans le bon sens du terme là encore, donc une organisation de la francophonie plus politique que jamais? C'est vrai que cette notion de politique ici en Roumanie est relativement peu connue, parce que la Roumanie, je vous parlais des missions qui sont les nôtres, donc en matière de démocratie et de droits de l'homme, donc la Roumanie a fait des pas de géant dans ce domaine-là, notre attention, bien entendu, n'est plus en Roumanie, mais par contre, elle peut l'être encore dans d'autres pays de la région. Donc ici, en Roumanie, généralement, la plupart des gens pensent que nous sommes une organisation de défense de la langue française, et c'est tout. Mais nous allons bien au-delà. Vous pensez à quel pays, pardon ? Je pense par exemple à l'ex-république yougoslave de Macédoine, ou je pense à la Moldavie, dans lesquelles nous avons eu des missions politiques de haut niveau qui ont été amenées à se déplacer, soit dans des contextes électoraux ou dans des contextes un peu plus difficiles. Donc, nous sommes aussi à l'écoute de ce qui se passe dans un certain nombre de pays pour pouvoir essayer de trouver, dans la mesure du possible, une solution si nous estimons que nous avons une véritable plus-value. David Bongard, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. C'était notre dernière émission avec vous dans ce studio. Bonne chance pour l'avenir, parce que vous changez de pays, vous changez même de continent, mais vous allez vous dédier toujours à la francophonie. Tout à fait. Merci d'ailleurs à Radio Roumanie, Radio France Internationale Roumanie, pour nous avoir accompagnés pendant ces 10 dernières années, pour avoir faire passer le message et les valeurs qui sont les nôtres. Et je suis sûr que l'endroit où je vais y aller, parce que je vais être directeur de la francophonie dans les pays de la Caraïbe, RFI est bien représenté et dispose d'ailleurs d'un club des amis d'RFI, et je suis sûr qu'on pourra faire des passerelles à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. En français, s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone.